Hey. Tu as vu, ma voiture était en panne. Merde. C'est grave. Oh oui, pardon. Enfin peut-être, enfin je ne sais pas. Tu n'aurais pas un mouchoir, dis? Ah si, mais... Oh. comment le bruit? Ah, alors... C'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Bon, bruit comme ça, tu peux savoir? Non. Non, mais là, ouais. Là, là, ça ressemble au bruit du carburateur qui lâche. Hein. Oh, Le bruit du carburateur qui lâche. Ouais. C'est ce que c'est, toi, un carburateur? Évidemment, attends, le carburateur, tout le monde connaît, hein, c'est comme le jean culage, je veux dire, on sait tout ce que c'est. Là. Oui, qu'est-ce que c'est un jean culage? Attends, on sait ce que c'est. Hein, le... Qu'est-ce que c'est un jean culage? Mais c'est le truc, bon, bah, ça lâche, ça fume, bon, voilà. Et pourquoi quand ça lâche, ça fume? Eh bah, parce que t'as le petit bitonio, il... Je sais pas, je sais pas. Un carburateur, je sais très bien, tu ne sais pas ce que c'est. Quoi? Alors là, je sais très bien ce que c'est le carburateur. Oui. Le carburateur, c'est la pièce qui gère le carburant. Bon, c'est que tu as perdu la face. Tu as perdu la face. Moi, je ne savais même pas, tu sais, que le carburateur avait lien avec le carburant. Oui, le carburateur, c'est la pièce qui gère le carburant. Oui, oui, mais bon. Je manque énormément de curiosité. Et... Et de pulsion aussi. Ouais. Ah ouais, t'as des gens, je sais même pas faire la cuisine. Ah si, ça moi la cuisine, je sais faire. Ouais, pas comme moi, je sais faire plus un steak qu'une omelette. Un steak qu'une omelette, ce n'est pas de la cuisine, ça. Moi, je sais faire des crêpes. Je sais faire les crêpes. Je sais faire les crêpes. Je sais pas faire les crêpes. Je sais. Non, je sais faire les crêpes. Comment tu fais les crêpes? Tu mets des œufs dans la farine du lait, tu tutouilles, tu mets sur la poêle et ça fait des crêpes. Hein. Je sais pas faire les crêpes. Je sais faire les crêpes. Tu verras un jour, je t'en ferai. Bah, je te ferai des crêpes, tu verras. Là, il ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient. Ça se retient comme une chanson populaire. C'est incroyable, c'est toujours à ce moment que j'oublie les paroles. Attends, je vais essayer. Oui, vas-y, essaie, voilà. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de une chanson populaire. Blanche dans le brouillard. Attends, je vais essayer. Ça s'en va et ça va bien. Ça commence à m'embosser là. Tiens, tant que tu es là, on m'a donné une très bonne adresse pour un garagiste honnête. Porte de Montreuil. Eh ben tiens, tu lui demanderas pour Jean Culasse. Tiens, je lui demanderai pour Jean Culasse. Tiens, dis-moi, comment fait-on pour aller à Porte de Montreuil ici? Pour aller à Porte de Montreuil. Alors, le plus simple, tu prends la République à gauche en sortant. Oui, la rue Boulanger. Ben non, à gauche en sortant, c'est la rue. La rue du Château d'Eau. C'est à droite, la rue du Boulanger. Boulanger. Non, c'est à gauche. Je te dis. Tu confonds ta gauche et ta droite? Non, je ne confonds pas ma gauche. Je ne confonds pas ma gauche et ma droite. Ça ne va pas ma droite. Tout dépend de l'axe du corps, hein. Dans l'axe de ton corps, à gauche en sortant, ça veut dire à gauche en sortant, dans l'axe de ton corps, tu sors par culon. Je te dis, tout dépend de l'axe de ton corps. Montre-moi ta gauche. Non, mais non. Montre-moi ta gauche. Quoi? Je te dis, montre-moi ta gauche. Voilà. Non, mais... Non. Tu dois avoir un problème de perception faussée, là. Hein. Tu sais, le corps n'a pas toujours conscience très bien de... Hein. Non. Bah, corporellement, je suis plutôt doué, là. Ouais, je fais l'aïkido, alors, pour te dire, corporellement, je suis... Tu as fait l'aïkido. Ouais, je fais l'aïkido. Oui, ouais, si j'avais pas arrêté, j'aurais pu aller super loin. Moi, je me disais ça, pour aller super loin. Ah ouais, tu m'as fait 2 semaines d'aïkido. Ouais, j'ai fait 2 semaines d'aïkido. Moi, j'ai fait 2 semaines. J'étais remède, 5 tournois. Oh oui, tu en as fait 2 semaines. J'ai pas fait 2 semaines d'aïkido. On m'a fait 2 semaines. J'ai pas fait 2 semaines d'aïkido. Oh, vas-y, montre-nous, fais une démo. Allez, fais une démo. Allez,
ouais, mais là, c'est pas chaud. Non, tu en as fait 2 semaines. Je demande, j'enlève. Arrête tes chaussures. Non, j'enlève pas mes chaussures. Les vidéos, ça se pratique sans chaussures. Enlève tes chaussures. Oui, je n'enlève pas mes chaussures. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des petits culs? Oh, du coup. T'as jamais dit chaussures? C'est quoi? C'est une phobie? Il y a toutes sortes de phobies comme ça. Claustrophobie, l'agoraphobie. J'ai toujours entendu dire que c'était lié avec l'enfance, ce genre de truc. T'as vécu un traumatisme en rapport avec tes pieds quand t'étais petit? Oh bien, je n'enlève pas mes chaussures parce que j'ai un trou à ma chaussette. Trou à la chaussette? Oui, j'ai un trou. On s'en fout de ton trou à la chaussette. Non, on se fout. C'est pas important. Non, on se fout pas du trou à la chaussette. Un trou à la chaussette. Un trou à la chaussette, c'est comme se retrouver le soir du Nouvel An debout dans ta cuisine à manger un yaourt périné. Je l'ai! Ah, ça y est, je l'ai! C'est en vue! Ah! Je l'ai! Ça y est, c'est bon! De quoi? C'est en vue! Allez! Allez, c'est parti! Alors, ça s'en va et ça revient! C'est fait de tout petit rien! C'est incroyable! C'est toujours au moment que tu cherches le moins que ça revient comme ça! Tu vois, c'est incroyable! Ça s'en va et ça revient! C'est fait de tout. C'est comme le nom du mec qui a reçu une pompe sur la tête. Ouais. T'as encore oublié. Ouais, mais là, de chance, donc on est tombé peut-être. Oui. Ça s'en va et ça revient. Newton. J'ai retrouvé. C'est Newton, le mec qui a reçu une pompe sur la gueule, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux? J'ai trouvé une parole, c'est ça. Non, vas-y, chante. Moi je chante, ouais. Oui, bah, moi je chante. Oui, tu veux que je t'en chante, je chante. T'es content? Tu vois, je savais très bien que tu n'avais pas retrouvé les paroles. Tu as voulu te vanter d'avoir retrouvé les paroles. C'est moche ce que tu fais. Tu crois que tout le monde est comme nous là ou c'est juste nous? C'est juste nous. Je crois qu'on pense trop aux résultats, tu vois. Si on part dans l'optique de faire n'importe quoi, en voulant vraiment faire n'importe quoi, eh ben on fera vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Mais n'importe quoi devient une valeur positive. Ah, d'accord. Et on essaie. Allez. 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 Qu'est-ce qu'on fait? Bah rien, justement. Allez. C'est pas facile, hein. Non. Non, pardon, ok. Parce que j'avais des paroles qui sont revenues, du coup, alors je... Bah non. Et si tu faisais mon papa, là? Mon papa. C'est une idée, c'est comme ça, c'est n'importe quoi. C'est... Tu ferais mon papa, je fais le fiston. C'est louche, hein. C'est louche. Il y a un truc caché derrière tout ça, là, je... Tout ça, c'est n'importe quoi, c'est... Tu fais mon papa, je fais le fiston. C'est là que c'est rien, c'est là. Je fais ton papa. Excuse-moi pour tout à l'heure, hein, c'est... Ça m'a énervé, c'est parti tout seul. C'est moi, j'ai vu. J'ai quelque chose pour toi. Ah bah, du coup, moi aussi, alors... Ah. Ah, bon,
Contrairement à ce que tu pourrais voir, ça me fait super plaisir. Ah ouais.